Prenons un cas plus complexe, c'est-à-dire la collision élastique à deux dimensions. Et dans un premier temps, regardons le cas de deux objets ponctuels. Si c'est le cas, nous allons avoir le schéma suivant, donc un objet M1 par exemple ici, avec une quantité de mouvement P1, qui va percuter un objet M2, qu'on va considérer comme fixe pour l'instant. Et à l'issue du choc, nous allons avoir le corps M2 avec une quantité de mouvement P'2, alors que P2 était nul. Et a priori, le corps 1 va avoir une quantité de mouvement P'1. Et bien, si on a deux dimensions, on va pouvoir appliquer la conservation de la quantité de mouvement sur deux axes que l'on va prendre perpendiculaires l'un à l'autre. Donc par exemple, nous allons prendre un axe Y comme ceci et un axe X comme ceci. Et nous allons pouvoir écrire la conservation de la quantité de mouvement sur ces deux axes. On va donc avoir conservation de la quantité de mouvement suivant X, donc M1 V1X plus M2 V2X, qui sera égal à M1 V'1X plus M2 V'2X, et de la même manière sur Y, M1 V1Y plus M2 V2Y, qui va être égal à M1 V'1Y plus M2 V'2Y. Et on va également avoir la conservation de l'énergie cinétique qui va s'écrire de la manière suivante. M1 facteur de V1X carré plus V1Y carré plus M2 facteur de V2X carré plus V2Y carré qui va être égal à M1 facteur de V'1X carré plus V'1Y carré plus M2 facteur de V'2X carré plus V'2Y au carré. Et si on regarde ces équations compliquées, on voit que même si on connaît les conditions initiales, c'est-à-dire V1X, V2X, V1Y, V2Y, eh bien on aura 4 inconnus, V'1X, V'2X, V'1Y, V'2Y, alors que nous n'avons que 3 équations pour déterminer 4 inconnus, donc ça ne fonctionne pas. Ainsi, pour traiter ce genre de problème, il nous faudra une quatrième équation, par exemple qu'on nous donne un des paramètres. Notamment, on pourra nous donner, on verra ça en TD, un angle ici de déviation d'un des corps qui permettra donc de résoudre ce système de 4 équations à 4 inconnus. Par contre, pour les collisions à deux dimensions, il existe un cas que l'on peut déterminer. C'est la collision de deux objets de même masse, non ponctuels, par exemple les billes de billard. Donc on va considérer ici deux billes de billard de même masse. La deuxième bille est immobile, alors que la première est animée d'une vitesse V1 initialement. Eh bien, on sait que la force de contact entre les deux billes de billard va avoir pour droite d'action la droite qui joint les centres des deux billes. Eh bien, c'est cette donnée qui nous permet de résoudre ce problème. Les deux billes vont alors partir avec des trajectoires à 90 degrés l'une de l'autre. Donc, on avait la vitesse V1 initialement pour la bille 1. Et à l'issue du choc, eh bien, la bille numéro 1 va partir avec la vitesse V'1 et la bille numéro 2 avec la vitesse V'2, V'1 et V'2 étant à 90 degrés l'une de l'autre. Nous pouvons observer cela sur la vidéo suivante. Donc nous voyons ici que la première bille va venir choquer la deuxième et que les trajectoires sont a priori à 90 degrés l'une de l'autre. Nous pouvons matérialiser les trajectoires. Voici pour la bille jaune. Et pour la bille rouge, et nous voyons bien qu'il y a un angle droit entre les deux trajectoires. On peut en profiter pour faire un petit cours de billard. Imaginons que nous avons la boule blanche qui est ici et la boule jaune qui est ici, que nous voulons que la bille jaune rentre dans ce trou dans le coin. Eh bien, il va falloir jouer de manière à ce que la bille blanche vienne se positionner ici pour que les deux centres et le trou soient alignés. Et donc, vous rentrerez la bille jaune de cette manière. Il y a juste une petite subtilité si vous jouez au billard anglais, c'est que la bille blanche est légèrement de plus petit diamètre que les billes de couleur. Regardons comment obtenir ces résultats au niveau du calcul. Nous allons donc écrire les deux équations. La conservation de la quantité de mouvement, MV1 est égal à MV'1 plus MV'2. On rappelle que les billes ont la même masse. Donc la conservation de l'énergie cinétique, 1 demi de mv1 carré égale 1 demi de mv'1 carré plus 1 demi de mv'2 carré. On va pouvoir tout de suite supprimer les masses puisqu'elles sont identiques, ainsi que 1 demi de chaque côté des deux équations. Travaillons sur la première équation. On peut écrire que donc v1 carré, on met le vecteur mais on a la norme au carré, peu importe. Ça va être égal à v'1 plus v'2 le tout au carré. Et donc si on développe, on va avoir V'1 carré plus V'2 au carré plus deux fois le produit scalaire de V'1 et V'2.
Si on compare avec la deuxième équation qui nous donnait v1 carré est égal à v'1 carré plus v'2 carré, on en déduit tout de suite que ce terme ici est nul. On a donc v'1 scalaire v'2 qui vaut 0. Et si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, cela signifie que les deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux. C'est bien ce que l'on voulait démontrer, que v'1 et v'2 ont des directions à 90 degrés l'un de l'autre. On peut aussi montrer avec les deux équations précédentes qu'on a des relations entre les vitesses et les angles. Les v'1 égale v1 cos θ1 et v'2 qui est égal à v1 cos θ2 se démontrent aisément. Et puis enfin, un dernier paramètre a de l'importance lors de ces collisions de deux objets non ponctuels, c'est ce que l'on appelle le paramètre d'impact. Et puis on peut voir que ce paramètre d'impact est relié aux angles θ1 et θ2 par les formules suivantes. On a donc sinus θ2 qui vaut b sur 2r où r est le rayon des billes, et sinus de pi sur 2 moins θ1 qui est égal à b sur 2r également, qui vaut de la même manière cosinus de θ1. Regardons dans les triangles ce que l'on vient d'écrire. Nous avons ici θ2 qui est ici, que l'on retrouve ici. Le paramètre d'impact se retrouve ici. Donc on a sinus θ2 qui vaut bien le paramètre d'impact sur l'hypoténuse qui est 2r. De la même manière, ce θ2 ici, c'est pi sur 2 moins θ1. Et donc on a le sinus de pi sur 2 moins θ1 qui est égal à b sur 2r. Et le sinus de pi sur 2 moins θ1 correspond au cosinus de θ1. Donc on a cosinus de θ1 qui vaut b sur 2r. Cet angle θ1 se retrouverait ici. Et on a donc bien le cosinus qui est égal au côté adjacent b sur l'hypoténuse de 0.